Toyota a relâché sa division Sknquark de véhicules de performance, gazo-racing, pour appliquer le traitement de tuner à la berline compacte Corolla. Et quel bon travail ils ont fait, le résultat final est la Corolla GR 2023, et c'est un peu la terreur. Toyota a déjà lancé une version GR de sa voiture sous compact Yaris sur les marchés mondiaux, à laquelle la GR Corolla emprunte son moteur, 3 cylindres turbo de 1,6 litres. Le petit triple est amplifié ici à 300 chevaux et n'est livré qu'avec une transmission manuelle à six vitesses et une transmission intégrale. Toyota s'est lancé dans une croisade ces dernières années pour ajouter de l'excitation à sa gamme avec des offres plus sportives, comme en témoigne la voiture de sport supra-relancée, et des designs plus élégants et cette berline chaude inspirée des rallyes devrait contribuer à cet effort. La GR Corolla sera un nouvel ajout à la gamme Toyota pour 2023 et affrontera des compacts sportives populaires tels que la Honda Civic Si, la Hyundai Veloster N et les dix meilleures récompenses Volkswagen Golf GTI et Jetta GLI. En fait, compte tenu de son prix et de sa puissance, la GR Corolla défiera probablement le plus haut niveau de voiture à Aeon, la Volkswagen Golf R et la prochaine Honda Civic Type R Prix de Toyota Corolla GR 2023. Version cœur 37 000 Version circuit 44 000 Version édition Morizo 51 000 Nous nous en tiendrons à la garniture Core et ferons des folies sur le pack Performance, qui ajoute des différentiels à glissement limité avant et arrière. La version Aude, gamme de l'édition Morizo sera construite en nombre très limité, seulement 200 seront produites pour 2023. Et elle a été dépouillée de son siège arrière et de plusieurs autres composants pour réduire le poids et maximiser les performances. Moteur, transmission et performance Sous le capot de la GR Corolla se trouve un moteur à trois cylindres turbo compressé tiré de la GR Yaris, une voiture à, ayant que le constructeur automobile japonais vend sur les marchés mondiaux en dehors des États-Unis. Pour la GR Corolla, elle a été réglée pour produire 300 chevaux, soit 185,4 chevaux par litre et 43 chevaux de plus que dans la GR Yaris. Une boîte manuelle à 6 vitesses est la seule transmission disponible et tous les modèles sont équipés du système de traction intégrale GR-FOUR de Toyota. Le système GR-FOUR permet au conducteur de choisir entre différents modes de distribution de puissance. En commençant par une répartition avant-arrière 60-40 pour la conduite quotidienne jusqu'à 30-70 pour permettre des bouffonneries à la dérive, une option de division 50-50 est destinée à fournir une traction maximale pour la course. Les exemples actuels de la Corolla, même les modèles sportifs SE et XSE, n'offrent pas une maniabilité ou des performances à distance racée. Mais les améliorations apportées à la suspension et au groupe motopropulseur du GR en font un concurrent légitime dans le segment des voitures compactes sport. La version circuit édition est livrée de série avec des différentiels à glissement limité avant et arrière, le modèle corps de base les propose en option, l'édition limitée Morizo est un modèle axé sur la piste qui est livré avec des roues forgées plus légères. Un moteur réajusté ajusté qui produit 295 LBP de couple, le modèle standard fait 273 LBP, une suspension calibrée de manière unique et ultra caoutchouc collant Michelin Pilote Sport K2. L'adhérence en virage est tenace et sur une route sinueuse, la GR Corolla récompense son conducteur avec, un mélange parfait d'assurance et de civilité. Bien que le placement des pédales ne soit pas idéal pour le travail du talon aux orteils, le manuel à 6 vitesses est par ailleurs facile à ramer, une fonction rêve match et standard. Économie de carburant et MPG du monde réel. Alors que la Corolla actuelle est à la fois l'une des options les plus économes en carburant de sa catégorie et complètement somnambule dans son caractère de conduite, la variante GR haute performance vise uniquement des performances maximales. Grâce à son petit moteur 3 cylindres de 1,6 litre, il devrait tout de même offrir une économie de carburant relativement décente. Nous nous attendons à une cote d'autoroute EPA d'environ 50 km pour gallon, qui se situe juste entre le Veloster N, autoroute de 49 km pour gallon, et la Golf GTI, autoroute de 54 km pour gallon. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de la GR Corolla, visitez le site web de l'EPA intérieur, confort et chargement. La Corolla AGR partage la majeure partie de son habitacle avec la Corolla Ion standard, ce qui signifie une bonne qualité de construction, des matériaux doux au toucher, et de nombreuses fonctionnalités, mais avec des garnitures plus racées et des sièges sport. L'équipement standard comprend un éclairage intérieur ambiant, un siège conducteur réglable en six directions, un bouton de démarrage et des couvre-pédales en aluminium. La climatisation automatique les sièges chauffants et un volant chauffant sont tous de série sur l'édition Circuit, qui porte également un revêtement en daim et en simili-cuir à la place du tissu du modèle de base. L'édition Morizo promet un niveau d'excitation encore plus élevé, mais au détriment de l'aspect pratique, Toyota a retiré le siège arrière, les haut-parleurs arrière et même l'essuie-glace monté sur le hayon pour économiser le plus de poids possible. Moins de poids équivaut à des temps autour plus rapides. Les sièges avant sont traités avec un schéma exclusif de rembourrage rouge et noir et il y a du faux d'un racé sur le pommeau de levier de vitesse, le levier de frein de stationnement et la jante du volant. Infodivertissement et connectivité. Un écran d'infodivertissement de 8 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sera de série et comprend également la fonctionnalité Amazon Alexa et un point d'accès Wi-Fi intégré. Le pack technologie sur les modèles Core ajoute un système stéréo JB et la 8 haut-parleur. Un chargeur de smartphone sans fil et une navigation au tableau de bord.